Mesdames, messieurs, nous connaissons le premier ministre Ariel Henry dernièrement. Monsieur a quitté le pays d'Haïti, il a dirigé directement vers l'Arabie Saoudite. Dans le déplacement, le premier ministre Ariel Henry a rencontré l'ancien ministre britannique, là, le pays d'Angleterre, Tony Blair. Alors, le premier ministre Ariel Henry a dressé le dossier Haïti, le conflit Haïti avec la République dominicaine. Devant monsieur, on dirait que le premier ministre Ariel Henry a porté monsieur plainte pour République Dominicaine pendant que lui mandé monsieur Edli qui aide Ariel Henry mandé Tony Blair qui c'est ancien ministre Angleterre. Je dis Tony Blair, est-ce qu'elle pas ka parler avec gouvernement Angleterre pour gouvernement Angleterre te ka meton prince sur les i dans dossier Haïti avec République Dominicaine là parce que li besoin négociation. On dirait que premier ministre Ariel Henry besoin négocier avec République Dominicaine, mais pour autant peuple haïtien pour besoin négocier avec République Dominicaine. Et nous pour faire payer, faut qu'il paye. Madame monsieur Mbalba nous plus détails sous des dossiers ça. De l'autre côté madame monsieur sous question arrestation Félix Badjo. Alors et dernière nouvelle nous joignons sous Félix Badjo madame monsieur et grand pile possibilité là pour américain vinn prend monsieur et oui notre dépresse sorti que les États-Unis d'Amérique dans jour qu'a vinn yo là je que dans un premier temps que nèg yo te dit que yo bay 48 heures de temps pour Badjo rete dans pays d'Haïti eh bien Badjo menacé dans pays d'Haïti américain dit que y a entré prend Badjo dans jour qu'a vinn yo mais nous pas gè date là dans nous mais Badjo son nèg qui pas prêté dans pays d'Haïti. Gros bonjour, gros bonsoir, selon les regardez vidéo ça et n'abzou, bienvenue sur Stand Up La Caille. Bienvenue sur Zenet Haïti. Si vous faites partie communauté, nous n'invitons sous vidéo ça même à abonner et l'on finit abonner. Pas oublier, cliquez sur la cloche de notification ou retirez le sous option personnalisée, avouez sur tout pour qu'à recevoir toute information nous yo en notification. Alors, sous kaba, nous like tout, là, très important pour nous, parce que son support, là, pied pour Chanel Zayo. Gardez quand on est pour cela, fait ça qu'on y a. Gardez quand on est pour cela, cliquez sous lit, bah, nous like, nous t'as remis ouais, vidéo ça, lit passé environ 1000 likes. Mesdames, messieurs, jodi ça là, nous c'est 22 novembre 2023. Qui ça bagay là? Bagay la chita directement de côté premier ministre Ariel Henry, qui a le pote plate pour lui, Sabine Adel, et devant, ancien ministre Angleterre, Tony Blair. Et de l'autre côté, mesdames, messieurs, nous connaissons que dossier assassinat Jovenel Moïse, c'est pour un dossier qui coupe chita. Dossier ça, a pile arrestation qu'a fait sous lui. Il dit nous ça. Et me dit nous, depuis ces nègres qui participaient dans la mort Jovenel Moïse, tout nègre a pris code. Pas de nègre qui a pris code. De vous participer. Bon, ou mettez pas, ou t'es dans la réunion. Ou te chita ensemble avec nèg yo pour planifier. Ou a pas quoi quand même. Même les qui ont pas fouillé tout le monde dans le dossier. De vous dire qu'on prend zon ou t'es entré dans l'assassinat Jovenel Moïse. Eh bien, mesdames, messieurs, ou pas capable de prison parce que son qui a fait là, son bagay qui t'écrit, son bagay qui t'est pour faire, mesdames, messieurs. Quoi me souvle? Oui. Eh bien, premier ministre Ariel Henry t'a quitté le pays d'Haïti. Monsieur était dirigé là directement vers l'Arabie Saoudite. Et côté que nous avons parlé sur la question du bah, développement pays, comment pour faire pays. On se bat comme ça. Eh bien, ancien ministre Angleterre, Tony Blair, monsieur était dans l'Assemblée. Alors, l'Assemblée a fini. Ariel Henry et monsieur en coulisses. Ariel Henry est en coulisses. Parce que Ariel Henry nous est là, dans chaque sommet, elle dit. Dans chaque sommet là il dresse dossier Haïti devant grand grand tête pour voir si il était ca jeune solution peut-être peuple haïtien a dit ah premier ministre Ariel Henry monsieur réci font bagaille pour pays d'Haïti c'est ça que j'ai chargé pour peuple là qui a dit premier ministre Ariel Henry il font bagaille pour pays d'Haïti eh bien monsieur dirige le bon côté Tony Blair qui c'est ancien ministre Angleterre. Et monsieur dit midi Angleterre comme ça ah par contre sous conflit ça qui passe entre Haïti avec République Dominicaine là mais conflit ça nous même t'a besoin mettons fait la donne et nous mandé au négocier et on chita parler yo dit que yo pas chita parler 16 ans obligé c'est canal là yo mandé pour nous camper canal là et peuple haïtien peuple moyen camper là peuple là lui-même il pas camper parce que peuple là brelé canal là pas camper eh bien ministre lui-même dit pas bail Ariel Henry une réponse illico.
il dit Ariel Henry, il a pensé sur dossier ça, il pral mener démarche pour loin si il ca entrer dans dossier pour voir si au cap on est union européenne by exemple by Angleterre yo dès ça on fait partie by exemple depuis il a dressé dossier là car un paquet de bail qui fait et nous songe que Joël Ariel Henry était porter plainte là lui Sabina était qui t'en fait déjà lui Sabina était qui t'en porter union européenne plainte pour Haïti oui sous ce canal là yo il était porter plainte oui hein et bien Ariel Henry lui-même il joue une occasion en tout OK Ariel Henry il joue une occasion lui profiter pour te plaindre pour Luis Abinadel. Est-ce que plaindre monsieur porté pour Luis Abinadel là Union européenne ou bien Angleterre, gouvernement Angleterre, il pour fouiller bouche fond dans dossier pour aller garder pour OSI au cas une sorte de négociation entre Haïti avec République dominicaine. Même a dit nous ça. C'est pas ça nous besoin, peuple a pas besoin ça mesdames monsieur. Nous pas besoin ça. Qui ça nous besoin dans la République dominicaine? Premièrement, on a fait au pays fréquent. Et nèg yo joue un rôle fréquent avec nous. Premièrement, faut nous faire au pays fréquent. Deuxièmement, pour nous retourner pour relation retourner entre Haïti avec République dominicaine, faut nèg yo ka respecter tout principe que gouvernement haïtien bail. Pas seulement gouvernement, nous pas gouvernement pas de côté par nous. M'a dit tout principe que nèg qui sous frontière yo dirigeant sous frontière yo bay parce que c'est eux même capable dit qui gouvernement nous actuellement nèg qui sous frontière délégué départemental yo besap on paquet l'autre nèg qui sous frontière c'est yo qui gouvernement nous parce que c'est yo qui défend pays ya. Parce que parti qui défend pays ya, c'est lui même qui gouvernement parti qui pas défend ni qui prend l'argent pays ya, qui gagoter qui fait voyage à gauche à droite ba ça va régler dans tout pays ça yo et bien mesdames messieurs et pas rien y a réglé vraiment nous comprenons et pas rien y a réglé. Alors dirigeant yo et nan wanamet pour nous ta ouvrir frontière avec République Dominicaine c'est condition pas nous qui pour respecter parce que yo te bay condition pa yo nous pas respecter nous pas précondition yo bay condition pas en faveur nous côté que nèg yo dit faut que yo fait empreinte digitale faut que yo fait ceci faut que yo fait cela et c'est frontière qu'a ouvrir pour commerce faire pas gien à faire visite touristique bay ça yo. Et ça, on dit nous. Eh bien, si on a besoin de relation avec nous encore, eh bien, c'est nous-mêmes qui pouvons poser des conditions. Et nous avons souhaité délégué départemental là, dans Nord-Est, pour la première condition pour le poser sous République Dominicaine avant que nous ouvrions une relation avec eux. Et bien, on si peut pas d'accord. Si peut pas ici, de vous, elle fait coller là, il fait coller net. Il y a un droit à la République Dominicaine encore, non? Mais si peuple a décidé d'entrer en relation avec la République Dominicaine, première condition pour nous ta poser sous Negyo, faut que nous ta dit Negyo, visa ça, moi yo mette nan 300, 400 dollars américains, visa République Dominicaine ta supposé 50 dollars américains, mesdames, messieurs. Visa République Dominicaine, et pour Haïti dit, visa République Dominicaine, quel que soit type de visa, faut que l'idée descende à 50 dollars américains. Oui. Ça son première condition. Deuxième condition pour nous bailler mesdames messieurs, côté que y a plaidé déporté haïtien mineur faut que bagaille ça suspende parce que ou pas qu'à déporter un petit monde en bas 18 ans, faut qu'il accompagne mesdames messieurs. En bas 18 ans, dominicain a chargé tant que mon gars 14 15 ans oui yo jeune dans la rue il pas passeport dans mail il va ici si son haïtien yo prend le mettre dans machine il a la veille dans zone côté pour déporter mon yo bouer dans machine yo voyer l'Haïti pourtant parent ti moun ça li dans République Dominicaine maman le papa le frère sel dans République Dominicaine yo voyer sous frontière qui ça le va faire sous frontière l'on voyer sous frontière est-ce que c'est pas mise voyer là le passer en Haïti pour le tourner dans République Dominicaine comment le va faire tourner dans République Dominicaine on ti moun lié. On a ses parents qui pourraient l'obliger quitter la République Dominicaine pour entrer en Haïti pour aller chercher Timoun sa sous frontière qui pas même contre côté le bras jeune. Bagay ça faut que vous finissez, mesdames, messieurs. Faut que vous finissez. Et ça, faut dernièrement là, et les États-Unis d'Amérique disent, a fait dérespecter les droits de l'homme. République Dominicaine, c'est number one. Oui. République Dominicaine, c'est number one, oui. Non, ça a fait dérespecter les droits de l'homme. C'est number one, mesdames, messieurs. Alors, il dépasse dit nous que premier ministre Ariel Henry, monsieur Albot plainte.
devant ministre britannique là. J'ai votre plainte, monsieur votre plainte mesdames monsieur. Et Félix Badjo lui-même, on connaît que dans jour pour venir là, pas gain à sortir de là prend monsieur. Parce que Badjo même dit, Badjo dit monsieur, retirez-moi dans pays d'Haïti, tout ça nous besoin m'a dit nous. Gros paquet causé là, Badjo au Bali. C'est parce que Badjo en Haïti toujours. Gros paquet nèg là, Badjo beaucoup bail mesdames monsieur. C'est parce que Badjo en Haïti toujours. Le 8 moment nèg yo prend Badjo, yo retire Badjo en Haïti. FBI a avec Badjo. Badjo c'est nèg qui va le parler. Et nèg commence bat vent Badjo. Pendant bat vent Badjo là, Badjo qui t'a bail en pile les goûts là. Monsieur en pile, nèg dou pas ta pensée mesdames monsieur prend en bas code. Gè nèg nou pa ta pense la ki pral en bas code. Son question de temps. Et me dit nous ça. Gade magistrat et Jacques Mel la te pense le finalèze. Ma kike sa. Tande nou nèg, il te pense le finalèze. Fin faire réunion, réuni tout gros palto pour assassiner et Jovenel Moïse ap kale boudal. A propose milat li ap kale dèl nan Jacques Mel. Pénitencier. Fout avadras à 25 ans prison. Ou bien vous en prison à vie. Parce que vous ne pouvez pas être condamné à vie là. Et Félix Badjo, dans le jugement, monsieur, pour le juger dans les États-Unis d'Amérique, vous avez pile chance pour ne pas foutre Badjo en prison à vie, mesdames, messieurs. Depuis que c'est nèg qui a assassiné Jovenel Moïse, fuck nèg ça yo, yo joué une peine yo. Oui, parce que assassiner un président élu au pouvoir, ça c'est pour un petit bagay, sous gros bagay lié. Eh bien, mesdames, messieurs, sous affaire corruption en Haïti, yo paquet nèg qui corrompi dans pile non qui cité là dans extrait ça nous pral tande là on a le temps de ti extrait ça pour nous connait qui quantité de nèg qui impliqué qui ça nèg yo fait dans pays d'Haïti et ce sont des nèg qui gen non dans pays à mesdames monsieur on a le temps de nous tourner encore je dis à bandi à beaucoup même prendre nous même monde qui avel mon gavel et li évident c'est pas menti la baille c'est vérité lié vérité absolue eh bien jusqu'à présent moi yo beaucoup relé André Michel moi yo beaucoup kembe Eric Pierre moi yo beaucoup arrêté Ariel Henry moi yo beaucoup arrêté Nenel Kassi c'est abtan on va comprendre pour qui ça a cherché vite l'homme on va comprendre pour qui ça américain mettait non vite l'homme sous gros big body a cherché vite l'homme si nèg qui t'avec vite l'homme c'est de bons citoyens bah pour qui ça a cherché vite l'homme lui-même pas vrai. Nous-mêmes, nous attendons que instance nationale ou internationale, nous mettons action publique en branle pour permettre que M. Sao vienne répondre des crimes, des actes au fin de pays. C'est clair. C'est clair, oui. Et Gombagay tout qui est important, heureusement. Parce que ça qui passe. Et tout ça qui fait là, moi-même, Gombagay, moi, des CPJ fait, monsieur, que des CPJ qui t'ont produit des sorties quand même, parce que, et même, l'enquête est filmé dans l'enquête là, et le est venu point pour que Frédéric Clocotal tient là, monsieur, que ça n'a pas tiré, il a tiré de manière stratégique, tout cas, des fois, pour faire pouvoir plaisir. Écoutez bien. Le des CPJ, juste prends vite l'homme, ok? Ou admettre que vite l'homme avoue la vérité. Sans discours. Premier nec qui falsifie rapport police centrale judiciaire, c'est Léon Charles. Oh, ça, les c'est Léon Charles qui retire un ensemble de noms, un ensemble de documents dans le premier rapport de CPJ. Qui vaut une partie dans le rapport, pas vaut tout rapport à parquet de Port-au-Prince. OK? Non, c'est pour histoire pour la vérité. C'est pour le faire, l'a fait avec des CPJ, il va pas faire pour côté non? Rapport pas nommer directement non? Non, directeur général police là, rapport doit jeune tout d'abord. Ils vont droit regard sur rapport. On pas compte pas ça. OK? OK. Il est le directeur général de la police nationale, tout rapport police là, ils vont annexe, ils vont partie qu'à joindre. Parce qu'ils vont droit regard. Okay. En tant que directeur général de la police. Okay. Surtout, c'est un rapport sur l'assassinat du président de la République, avait dit directeur police là, suivre rapport conjointement avec directeur police centrale judiciaire. Même j'ai un ministre de justice là, on doit regarder pour regarder à qui point que rapport a exigé un retard. Ça veut dire tout ça qui doit regarder sur un document, il y a objection. Et c'est si tout le bagage est passé correct,
Eh bien, DCPJ pays a seulement fini faire rapport, il veut le bail paquet. Il veut le paquet. Mais comme il y a des bagages pour nous cacher, il y a des bagages malfaiteurs qui accaparent la police là, eh bien, il faut regarder si non, qui est-ce qui doit aller, qui est-ce qui doit aller. Voilà. Et maintenant, on nous traverse un chapitre ça. Parce que ça qui passé, et moi, ouais, parce que je regarde, je suivre tout le monde qui que juge ça a été invité dans le cabinet d'instruction. Moi, que ce passé. Moi, chaque nègre, mon seul bagay, heureusement, Jean. Moi, donne kato allé, sorti la sorti de yoa, devant journaliste média en ligne, pour ça qu'elle dit, fuck Martin Moïse, si fuck Martin Moïse là. André Michel vini, moi, elle fait même bagay là. Pierre Espérance vini, moi, elle fait même bagay là. Nenel Kassi vini, moi, elle fait même bagay là. Kounia là, t'es bien, heureusement, Jean. Qui sont abdi pour messieurs sa yo? Messieurs sa yo, que tout le monde connaît, dans qui niveau yo, yo impliqué dans ce bagay dans le pays, qui toujours a indexé Martin Moïse après. Soi-disant audition ou du moins rencontre avec juge là dans cabinet d'instruction Rosemont Jean. Comment comprendre ça ou du moins ce qu'ils ont dit? Bon, moi je comprends, et je comprends assez bien. Mais c'est ça, il fait partie du réseau gang qui a un projet pour assassiner le coup présidentiel là. Ok. Et puis, mal chose pour eux, ils ont assassiné le président, ils n'ont pas arrivé tout yé, madame là. On est obligé de monter au lot. Yo vin regret parce que à partir de bataille Martin vin ap menen, li vin mete yo nan ti soulier yo. Aïe aïe. On y a obligé de monter au lot laboratoire, son lot laboratoire monter pour planifier pour d'abord assassiner caractère Martin et puis pour aboutir à assassinat physique. À projet assassiner le physiquement. OK. Parce que existence Martin pas fait monsieur bien. Sou menace pour nèg yo. Monsieur Pat, non, parce que Martin fout deux coups. Il fout un premier coup, côté lui dit le poté le parti civil, devant Gary Olien. Non, deuxième coup, lui monte Miami, là devant tribunal fédéral, dans Miami, il dépose plainte contre tout nègre. Il dépose plainte formellement contre tout nègre. Quand il y a seul atout que vous gagnez, puisque yo genyen des nèg ki nan media ici ki y a moné des nèg même là propose la jouer mais pour occuper yo c'est même réseau a c'est même adresse c'est même structure là en place structure yo te met en place pour te finir à caractère Jovenel Moïse c'était nan media il était pas dans l'autre côté. OK structure qui peut permettre population prend la rue toute sa Jovenel la paix yo dit yo mouton campagne puis yo dit c'est menti Jovenel la paix toute sa Jovenel dit c'est menti c'est près de 20 à 30 millions de dollars américains qui étaient dehors pour ça. Mais comme la pas fini, boss qui t'a financé comme ça, yo là toujours. Yo gagne des acquaintances avec des pseudo-analystes politiques dans des radios bien spécifiques. Ça veut dire plus gros ennemi. Pour yo même plus gros ennemi, yo gagne souterrain là, c'est Martin Moïse. Martin Moïse. Surtout, il y a des Martin Moïse, des gens qui ont dit oui, il faut Martin Moïse entrer dans la politique. Ça veut dire si Martin Moïse est entré dans la politique, Martin a une menace pour eux. Et son doit le gagner, oui. Son doit le gagner, oui. Son doit le gagner. Comment détruire Martin à tout prix? Quand tu as l'argent pour nous mettre dehors, pour nous faire non seulement intimider Martin, faire Martin peur, seulement pour nous faire Martin peur, c'est dire qu'il est impliqué dans la mort Marine. Seul zam yo gen comme Martin, si yo pa ka prendre dans corruption, yo pa ka prendre dans l'autre bagay, parce que Martin Jovenel Moïse a Martin Moïse, pas qu'on yo quitte la guerre corps dans vol l'argent l'état. Et bien yo dit seul zam yo gen, c'est pas l'autre bagay, on wè comme on ka dit Martin Moïse impliqué dans la mort Maril. Depuis nous mettez dossier ça sous lui, et bien opinion a bien en face opinion, à partir de là, n'a démoralisé le. C'est démoraliser, à chercher à démoraliser Martin Moïse. OK. Parce que yo même ignoré que Martin Moïse sont victimes, non seulement bon côté Maril. Bon, gen ki même quand peut dit Martin pas gagner. Comment Martin ça l'hôpital? Si dit bagay ça. Bon, mais faut pas fâcher parce que c'est instinct. Soit l'ouvre instinct après c'est crime quand dedans. C'est assassin oui. C'est criminel oui. Assassin oui. Méchant. OK. Eh bien, il y a fait ça au capable, il y a pour voir comment il est capable, même j'ai été détruit Jovenel au point de vue de l'opinion, il y a battu assassiné Martin Moïse dans même genre, c'est pas l'autre bagage, c'est ça lié. Oui, mais regardez qui moun. Regardez qui suivre qui est
Zami, qui est-ce qui a fait promotion pour ça? Suivez qui monde qui a fait promotion pour ça? C'est monde qui était dans la rue qui a planifié à passer dans le Jovenel. Effectivement. Et en nous font l'autre point là qui est extrêmement important parce que ça qui passé et parce que c'est là bas peuple titan là bas petit peuple titan on nous font tirer tourner parce que ça qui passé bon niveau moi Pierre Espérance a indexé Martin Moïse dit tête moi clairement faut que nous ref alors faire on tire retracer assassinat Jovenel Moïse comment le fait assassiner qui ça qui fait mandat heureusement Jean moi même temps nous faut tirer aller sur ça pour moi Pierre Espérance sous rapport soi-disant massacre la Saline. Et ce rapport ça, calé devant juge. Et c'est moun moun qui. T'as bien, oui, mais c'est pas qui grave, heureusement. Je vois chaque l'homme attend de bagay ça, monsieur. Je dis, bon Dieu, est-ce qu'on pas qu'à faire parler avec Tinegio? Parce que le pral gompote pour le cap fait, même qui m'a fait mal pour moi, ou c'est majorité à pral tout, pral départ de minorité, c'est ça, heureusement, Jean. Et qui c'est haïtien? Pour qui est-ce que tu as travaillé? Pour des oligarques corrompus. Le même cas de heureusement, Jean, le même cas de Pierre Espérance, heureusement. Moi, Pierre Espérance fait tout ça que le connaît, il produit un rapport, il épingle directement président Jovenel Moïse pour dire que c'est Jovenel Moïse qui voit barbecue Jimmy Cherizier, il fait massacre la Saline pour tuer moun la Saline. Et puis, rapport Pierre Espérance, c'est un avocat Pierre Espérance qui prend rapport, il y a le compte un juge Payot qui c'est Zamio, qui est le Jean-Roger Noël Seyus. Et puis accompagné de André Michel, Nenel Kassi et John Joel Joseph, quatre messieurs heureusement Jean allaient dans le cabinet d'instruction et c'est eux-mêmes qui fait mandat pour président. Qui est-ce qui commence à assassiner le président heureusement? Pierre Espérance. Aïe aïe aïe, on avance. Est-ce que ça va être Martin? Mais pour aller chercher raison fait, Pierre Espérance aussi amer contre Jovenel Moïse. Contre Martin Moïse surtout, dans le moment. Contre Martin Moïse. Mm-hmm. C'est Pierre Espérance. C'est dans la campagne Jovenel Moïse. Mais personne ne va connaître. Ok, ok. C'est Pierre Espérance qui bail photo dans tout Catalpa. Delma 60, Del Catalpa, Catalpa 28, Cassayol, toute zone ça on t'a mobilisé. C'est Pierre Espérance qui fait campagne Jovenel dans toute zone ça. Mais il y a Pierre Espérance, Jovenel, il a demandé Jovenel, on bagage Jovenel, pas balba là. Mm-hmm. Depuis là, il s'est amer contre Jovenel. Et puis il dit l'a utilisé organisation contre Jovenel Moïse. OK. OK. Toute zone bloc 47, base 47, toute zone ta honnête, c'est Pierre Espérance qui finançait avec l'argent pâle campagne Jovenel Moïse. Mhm. Bakadou qui ça monsieur te demande Jovenel. Jovenel gère pas ka balil ou bien pas de gétan balil. Mhm. Et puis, depuis l'air, sous besoin d'être pour tous les Jovenel, on met à la première espérance. À la première espérance. À la première espérance. Ça veut dire, Pierre Espérance met deux mounes dans le rapport. Hein, on est avec Fidel, mon chéri. Il ne connaît pas vrai. Fidel, mon chéri, ou qu'on met Fidel, la chéri, dans toute bagaille. Mais pas mettre Fidel, mon chéri, dans le monde qui est dans tous les mounes, qui a voulu tuer les mounes. Bon, ma parle de Fidel là. C'est une nanèg, c'est la gomoun qui pour ta lapide, c'est à moi. Vous comprenez ça? Fidel ma parle là, il passe 14 mois la kay moi, dans Kamo, dans bureau, dans même bureau avec moi. 14 mois. Ok. Yo prenne, voye le candidat, PHTK voye le candidat. PHTK met ton candidat en face li. Yo fin voye le candidat, oui? Mais yo mette. Il met l'autre candidat en face, il a financé l'autre candidat. OK. L'aime qu'on est là, c'est dans mon chéri, c'est un petit paysan même avec nous. Il n'y a pas qu'à prendre, ça a passé, il a voyé le candidat, c'est pour lui montrer qu'il n'est pas voyant. Comme président, plateforme, réponse paysan. Oui, dans l'Ouest. Il a montré qu'il n'est pas voyant, il fait exprès, il a le candidat pour le département de l'Ouest. Moi, je prends Fednel ça. C'est moi qui ai une coordonnateur campagne, monsieur. Je vais Fidel dans le deuxième tour. Là, je vais Fidel dans le deuxième tour. Quand je vais demandé Fidel pour le retirer comme coordonnateur campagne. Fidel, pour faire plaisir vraiment à PHTK, je retirer comme coordonnateur campagne. Oh, il travaille où là lui-même? Et puis, même quand je vais tout dire Fidel, je vais retirer ça dans le tête.
Nous devons tout retirer ça dans la tête ou pas sénateur encore. Parce que c'est pour pas sénateur qui fait yo prêter discussion même avant. Fednel Moshe vient pas sénateur. Il vient directeur général ministère intérieur. On va rencontrer Fednel Moshe un jour. Ni Fednel tout passer chez moi un jour pendant le directeur général ministère intérieur. C'est d'ailleurs. Vous comprenez? Donc parce que pour montrer les moi même m'a dit un bagage, c'est pas parce que nèg la fait mal et puis m'bra le dit monsieur te fait qu'a fait tel bagage. Fednel pas connait rien dans affaire